Quand il est arrivé avec un vélo de femme, j'ai jubilé, peut-être que d'aucuns l'ont remarqué. Là parmi toutes les selles, je subodore un drame. Quand Gégé m'a vissé, je l'aurais embrassé. Restait à savoir qui achèterait la bécane. J'ai pensé à deux choses, gros dindon ou mignonne. J'avoue, une dondaine, je n'aurais pas été fan. Mais non, ce fut une mignonne et très cochonne. Quand elle s'est assise, j'ai bien cru me pâmer. Elle portait un string, je le voyais sous ses collants. Un string pour une selle, oh, c'est à se damner. Elle a dit je le prends tout en se marrant. J'ai pensé cette nana est une vicieuse chouette. Elle pédalait en danseuse, j'en perdais pas une miette. Entre les autos, elle se faufilait toute guette. En chantonnant le truc de Bourville à bicyclette. Comble du bonheur, c'est une adepte du nudisme. Et elle jouait avec moi, tout comme avec un sextoy. Vas-y que je me frotte, que j'aime le naturisme. Elle se faisait du bien, et moi je me rinçais l'œil. Un jour elle me prêta à une connaissance. Ah non, pas lui. Tu vois bien que ça ne va pas tenir. J'étais à deux doigts de la perte de connaissance. Il m'étouffait et sentait mauvais. C'est pour vous dire, je ne sais pas comment j'ai pu en réchapper. 12 kilomètres et pratiquement tout en apnée. Quand ces 114 kilos ont mis pied à terre, j'étais passé par plein de couleurs rouge, jaune, vert. Ne me fais plus un tel coup, je suis pas celle que tu crois. C'est vrai, les hommes, que veux-tu, ce n'est pas ma tasse de thé. J'ai eu une envie subite qui m'a mise en joie. De me casser et qu'il se carre le tube d'acier. Mais ouf, 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 ma Paulette m'a récupéré. Tout finissait bien car oui, je reprenais mon pied. 13 ans se sont passés en parfaite harmonie. Puis on s'est séparés, on s'est désunis. Elle a pris un scooter, c'était bien plus classe. À l'occasion d'un vide-grenier, elle m'a laissé choir, hélas. C'est une dame âgée qui nous a recueillis. Ça tombe bien, je m'étais ramolli, j'avais vieilli.